Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage! Comme toujours, je suis Nils. On se retrouve pour un nouveau stream du jeudi. Et comme la semaine dernière, on va jouer avec des firewalls. On va jouer au jeu des 7 erreurs entre les firewalls. On va faire un peu de comparaison. On va reprendre là où on s'en était resté la semaine dernière. Salut à toi, Dino! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Hop. On va se retrouver pour un nouveau stream. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée toi aussi. Et donc, on se retrouve pour notre suite de comparaison de Firewall. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, en gros, l'idée, écoute, ça va très bien Xavier, merci. Et bien justement, en quoi est-ce que ça consiste? Et bien la semaine dernière, on a commencé à installer un petit environnement de test pour faire de la comparaison entre différents logiciels de pare-feu. Alors, ce sont des pare-feux dédiés, hein, ce ne sont pas des pare-feux pour poste de travail. C'est par exemple pour... voilà. Alors, comparer, oui, alors, que le chose soit très clair, hein, la comparaison ne va pas forcément être très... organisé. C'est, on va jeter un œil, je vais pas dire vite fait bien fait, mais enfin, parce que ce sera pas forcément, je pense, bien fait. Mais l'idée, voilà, ce sera de voir un peu lequel va sembler comme ça à la louche. Je pense qu'au niveau des fonctionnalités, bon nombre d'entre elles seront sensiblement les mêmes, mais on pourra peut-être essayer de faire des tests de perf à droite à gauche, voir effectivement lequel va être plus facile à prendre en main, hein, peut-être certaines fonctionnalités. On va voir justement, alors on a déjà installé un pfSense, on a aussi en fin de live la semaine dernière essayé DinFi, on va revenir dessus parce que ça n'avait pas l'air de marcher du premier coup, et effectivement, comme tu le dis, bah, ce sont tous des forks les uns les autres, donc on va voir un peu justement qu'est-ce qui change entre ces forks, et spoiler alerte, j'ai l'impression que c'est surtout des questions d'interface, et aussi peut-être des histoires politiques. Salut à toi, Haribo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, toi aussi. Alors, on va commencer par tout simplement switcher de caméra. Hein. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop là, voilà. Et je vais me connecter sur cette petite VM. J'espère que... Alors, toi, tu reviens là. Voilà, ok, c'est cool. Vous pouvez voir, hein, c'est une Fedora, tout ce qui est de plus bateau. Je vais quand même mettre un raccourci vers le terminal, parce que je pense qu'on va s'en servir pas mal. Hop. Allez, hop. Pin to dash. Tac. Alors, il n'arrive pas à revenir. Si je fais Restore Session, on a le Firewall. Admin, qu'est-ce que j'avais dû mettre? Password, hein, très certainement. On se route. Si, voilà, c'est ça, effectivement. Merci Xavier, c'est bien ça. Alors, déjà, j'aimerais bien revenir plutôt sur le dashboard. Alors, qu'est-ce qu'il dit le dashboard? Le dashboard me dit One DHCP online. Donc si on tente d'aller voir, je sais pas moi, un site que j'aime bien, tiens, linuxaffaires.org. Et ben ça y est, ça fonctionne. Alors je ne sais pas pourquoi. La semaine dernière, ça ne fonctionnait pas. Il a suffi de redémarrer le lab et ça fonctionne. Ok. Salut à toi Ardoras, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, toi aussi. Hop. Bon, je dis de la même manière, hein, mais ne doutez pas de ma sincérité, hein, je m'intéresse vraiment à savoir si vous avez passé une bonne journée. Bien. Ah bah écoute, journée tranquille, ça c'est chouette. Juste avant le week-end... Enfin, juste avant, presque juste avant le week-end. Bien, donc on a réussi à faire l'installation de DinFi et presque out of the box, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on commence à regarder des fonctionnalités, sachant qu'on avait déjà installé pfSense l'autre jour?
Ou est-ce qu'on s'installe OpenSense, puis... Ah mince, je sais ce que j'ai pas fait. Je voulais me mettre à télécharger le IPFire. Alors, je vais aller faire ça, vite off. Parce que si je le fais dès le début du stream, avec un peu de chance, ça se téléchargera vite. La raison pour laquelle je voulais... Ah non, mais attends, on peut le télécharger direct. C'est cool ça. Allez hop, copier le lien. Je pensais qu'il n'y avait que les torrents. Hop là. Ouais, on va vite, on va jeter un œil vite off à Dinfy, Dino. Dinfy même, je sais plus comment on dit. Et ce que je voudrais, c'est me connecter sur le lab. On m'a dit que c'était New Marvin. Est-ce qu'il y a Snort? Bonne question. Alors, on n'est pas encore à regarder les détections d'intrusion, les systèmes de détection d'intrusion en tout cas. Mais ça fait des choses, enfin, ça fait partie des choses, pardon, qu'on pourra regarder. Alors, var lib libvirt boot, hop, tac, et on se fait un petit wget de ce truc-là. Je sais qu'il est présent sur PFSense. Eh ben écoute, si c'est pas Snort, ce sera sur Ikata, très probablement, si ce n'est pas les deux. Je dois avouer que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait du Snort. Hop. Et on va se faire un CH home. Hop. QMU. QMU. Ça. Et CH mode 0644 de pareil. Voilà. Tac, les droits sont bons. Donc. On avait dans notre, on va dire, to-do list, le DinFy, OpenSense, PFSense et IPFire. Donc, bah puisque le DinFy fonctionne, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur OpenSense. Je ne serais pas surpris qu'on ait les mêmes soucis. Et ensuite, on fera l'installation d'IPFire. Mais éventuellement, juste jeter un œil vite fait. Firmware. Packages. Est-ce qu'on peut faire de la recherche de paquets? Ouais. Est-ce qu'on a Snort? A priori, pas de Snort. Est-ce qu'il y a Suricata? Oui, il y a Suricata. Donc, Dino, sur DinFy, tu n'as pas Snort, tu as Suricata. Ce qui est... alors, je ne... Je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc, on va couper... on va éteindre notre DinFy. Hop, power, power off. Oui, on veut l'éteindre. Voilà. Allez. About. Je crois qu'on peut faire blank. Hop, blank. Ok, cool. Alors, tu avais un BTS blanc qui parlait de Suricata? Waouh! Machine virtuelle, allons-y. Alors, où est mon. Alors, mon DinFy, il est là. On lui avait mis quoi au niveau des interfaces? On avait mis une première qui était ouais, dans le réseau NAT et la deuxième dans le réseau isolé. Donc, on va faire pareil avec OpenSense. Hop, nouvelle. Forward. Je disais. Browse. Et ben alors, hop là. Alors, OpenSense. Oh bah tiens, en plus j'avais une vieille version, j'ai récupéré quand même la dernière. Alors, juste au cas où, hop, on va aller sur le site d'OpenSense. De toute façon, on va faire les mêmes, comment dire, les mêmes, normalement les mêmes ressources pour chaque VM. Ce que je voudrais jeter un œil, c'est bien entendu Users Get Started. Ok. Donc ça, c'est cool. Et la documentation. Voilà. Ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hardware sizing et setup. Tiens, je vais aller rechercher d'ailleurs PFSense. Hop, et DinFy. Tac. PFSense.
Alors, ils ont un Get Started, support, community. Ouais, mais c'est plutôt la documentation. Voilà, Get Documentation. Et DinFi, pareil. Ressources. Alors c'est vrai qu'on a, y a un truc qui s'appelle le manager qu'on pourra peut-être regarder. Mais ce que je voudrais surtout... Qu'est-ce qu'ils ont pour Proxmox? Sortie du miroir hors ligne pour Proxmox VE. Vos projets Proxmox VE avec DinFi. Hein, bon. C'est pas forcément ça qui me... voilà, documentation, guide utilisateur. Voilà. Et donc... Bien choisir son hardware. Est-ce qu'on a... Hop. On était là, je crois. Voilà, c'est ça qui m'importait. C'est qu'ils disaient globalement 2 cœurs de giga de RAM, c'était le minimum a priori pour eux. Boîtier d'entrée de gamme capable de fonctionner avec un lien ADSL ou fibre. Peu recommandé pour le déploiement d'un proxy IDS possible. Pas d'antivirus. Salut à toi Alain, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé toi aussi une bonne journée. Maintenant, PFSense, hardware sélection, hardware sizing, voilà. Ah oui, c'est vrai que eux ils avaient un truc qui était assez, voilà, selon les nombres d'états, ils te disent combien de RAM ça prend. Les VPN, ce genre de choses, et Snort ou sur Ikata. Ok. Alors sur le hardware sélection, on doit peut-être avoir un petit truc assez rapide, non? Forcément, il parle du Netgate Store, parce que bah, c'est une entreprise hardware tuning and troubleshooting. Ouais. Alors il parle de tuning ZFS, mais de toute façon, nous, on l'a pas installé en ZFS, notre PFSense. Bon, c'est pas forcément ouf à ce niveau-là. Donc déjà, rien que sur les documentations. Tiens, d'ailleurs, IPFire, est-ce qu'il y a une documentation? Il y a un truc qui s'appelle support. GoTo Wiki. OK. Installation. Hardware. Voilà. Ils disent qu'il faut au minimum 1 gig de RAM. OK. Et en plus, ils ont des... OK. Bon, alors. Nous, ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller hop, créer une nouvelle VM, voilà. On va dire que c'est un FreeBSD, hein, et que c'est un FreeBSD bah, 13.1, tiens, hop, parce qu'à mon avis, j'ai un doute, tiens, OpenSense, il est basé sur le 13.0 ou sur le 13.1? Si je vais chez DistroWatch, ils doivent me le dire, ça, non? Deux interfaces virtuelles suffisent ou vaut mieux deux interfaces physiques? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Xavier? C'est Proxmox? Alors, non, hardware address, c'est pas Proxmox. Même si, j'avoue, je suis tenté de vouloir vous faire des lives sur Proxmox, parce que j'aimerais bien m'y mettre. Hop, et on va aller chercher OpenSenseStack. Pour l'instant, en fait, mon environnement de virtualisation, tac, c'est une Fedora serveur. Voili, voilou. Alors, la 23.1 qu'on a récupérée, alors oui, c'est basé sur FreeBSD, mais... Mais, il n'y a pas d'indication. En VM avec un seul port Ethernet, on configurait deux interfaces dans Proxmox. Alors nous, pour notre test, en fait, on va faire deux interfaces qui vont être de toute façon virtuelles. D'ailleurs, t'es où, toi? Il est passé où, le... J'ai paumé mon... Ah, voilà. Allez, FreeBSD 13.1, on verra bien. On a dit 4 Go de RAM. Et on avait mis 4 vCPU, non? On avait mis combien en CPU? On en avait mis 4. Hop, forward. Combien en espace disque on avait mis? 20 gigas à chaque fois. Hop, je me suis encore trompé. Voilà, te voilà, 20 gigas, parfait. Parce que, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire, Xavier.
Si par exemple tu veux que le firewall soit le point d'entrée pour tout ton lab, ça va dépendre aussi si tu veux que tu aies des VM entre guillemets à côté du firewall ou si tu veux absolument tout mettre derrière le firewall. J'avais vu notamment chez le youtubeur Hardware Evan, par exemple, lui il s'est monté une petite machine, un mini PC avec plusieurs interfaces réseau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est installé un Proxmox et il s'est mis en place une machine virtuelle. Alors je ne sais plus s'il a utilisé PFSense ou OpenSense. Et en fait, l'une des cartes réseau physiques est passée en direct sur la VM PFSense. Et ce qu'il a même fait en plus, c'est qu'il a, il a pris un SSD. En fait, il a plusieurs disques sur son petit serveur et il en a un qui est dédié à son firewall PFSense ou OpenSense. Et en fait, l'idée, c'est que si jamais un jour il a un problème avec son Proxmox, en fait, eh ben, il débranche le disque Proxmox, il redémarre son PC et il le redémarre sur le disque PFSense ou OpenSense. Et normalement, le firewall ne sera plus virtualisé, mais purement physique. Salut Fixou, j'espère que tu vas bien. Salut à toi The Vengeur, j'espère pareil que tu vas bien. J'espère que vous avez tous les deux passé une bonne journée. Et salut à toi Electronic Brain. Alors, OPN Sense, allons-y. Customiser ça. Hop. Donc... CPU, je vais faire comme les autres, hein. On est donc en host pass-through, ok. On va mettre un socket de cœur de thread, apply, voilà. Virtio, ça c'est bien, le disque tu me le mets en SATA, ouais. On n'est pas... On n'est plus dans les années 90. Ah bah ça c'est cool si ça va bien. On rajoute forcément une interface réseau, on a dit network... On a dit qu'on la mettait dans le firewall test, que c'est du virtio. Hop. Et à partir de là, eh ben, il n'y a plus qu'à démarrer l'installation. Alors, on va faire comme d'habitude. On va remonter tout ça. Hop. On va agrandir, bien entendu, hein, parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez y voir quelque chose. Tu te bagarres avec AWX, la WebUI, pour lancer des play Ansible. Ah, c'est peut-être un truc que je pourrais essayer à l'occasion. Tiens, d'ailleurs, en parlant des trucs qu'on pourrait essayer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord. Pour une raison très simple, c'est que j'ai posé la question il y a quelques jours de des choses qu'on pourrait envisager de faire par la suite. Puisque globalement, on a terminé des sujets dimanche dernier, si je me rappelle bien. Presse unité tous. Hop là, voilà. Do you want to clear lag now? Non. Alors, avant que je me fasse interrompre par l'installeur d'OpenSense, je disais, n'hésitez pas donc à aller rejoindre le Discord pour pouvoir justement dialoguer des sujets qu'on pourrait aborder lors des prochains lives. Pour un PFSense, on pourrait utiliser un Netgate. Alors, Electronic Brain, l'idée pour l'instant c'est de faire tout ça en machine virtuelle. En ayant les mêmes ressources, parce que ça pourrait être marrant de voir à ressources égales ce que ça donne. Vivement à la découverte de Windows 11. Alors techniquement, The Vengeur, aucun de mes PC perso n'est compatible Windows 11. Enfin, en théorie en tout cas. J'entends par là que Windows 11 nécessite un certain nombre de prérequis matériels en termes de génération de processeurs, en termes de BIOS/UEFI, notamment le Secure Boot, ainsi que la présence d'un TPM en version 2, si je me rappelle bien. Et en fait, aujourd'hui, aucune de mes machines n'a ça. C'est...
découverte de Windows 11, ce serait surtout commencer par passer outre les limitations de Microsoft. C'est quel district de firewall là, PF? Alors, salut Gizmo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Eh bien, là, on démarre l'installation de OpenSense, qui est un fork de PFSense, puisque finalement, on n'a pas eu à débugger d'Infy, qui finalement, après un reboot, fonctionne, ma foi, au poil. En tout cas, pour la partie basique. Tu as eu un presta avec une Arch Linux pendant 2 jours. Chaque matin, il a perdu 1 heure pour débug sa distrib. Non. Non. Ah là là. Ah là là. Je me rappelle dans un ancien taf où c'était en mode ok, tu peux utiliser la distrib Linux que tu veux, mais il faut pas que tu passes plus de temps à entretenir ta distrib qu'à travailler. Je crois qu'on avait. Non, on avait personne sous Arch. On a eu un gen twist. On a eu un gen twist, mais a priori, pas de. Il n'était pas. Comment dire il... Enfin, après, je le côtoyais pas tous les jours, mais à ma connaissance, il n'était pas, du genre à recompiler la terre tous les matins. Mais globalement, beaucoup de Debian E, de Bunteros, je tentais de dire. Et ici, Bibi sous Fedora. Donc, tu as de l'OpenSense, mais cet été, tu passes à Fortinet. Ah, je suppose que c'est volonté de la DSI, harmonisation, des trucs comme ça. Les rolling releases, quand ça veut pas, ça veut pas. Debian en desktop, ça le fait bien. Hein. Alors, Gizmo, pour être honnête avec toi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient sous Debian en desktop que j'ai rencontrés s'en sortaient très bien. Mais moi, par contre, je ne l'ai jamais fait. Hop. Volonté d'avoir un truc qui route plus que 10G. Oula. Oh, ça va être du gros alors. Donc, on en était où nous sur notre installation de OpenSense? On ne veut pas faire des lags. Alors, les lags, c'est quoi? C'est des agrégations d'interface réseau. On ne veut pas faire de VLAN non plus. Alors. D'ailleurs, si à l'occasion vous voulez qu'on fasse des VLAN, j'ai proposé dans les propositions pour faire pour les trucs que si certaines ou certains d'entre vous rejoignent le Discord, dans les sujets qu'on pourrait aborder lors des prochains lives, on pourrait faire joujou avec un switch Cisco. Et on pourrait alors faire mumuse avec du VLAN par exemple. Un cluster de 401F. Alors juste pour la blague, on va passer 2 minutes. Juste pour un, si je fais Fortinet, hein, enfin Fortiget. Fortiget 401F. Hein. 401F series. Alors, pour rigoler. Oh, c'est un U? Ça fait qu'un U? Alors, remarque, ça a pas mal d'interface. Hein. En IPS, 12 gigabits par seconde. Donc, alors, c'est pas juste de la détection, hein, c'est de la prévention d'intrusion. Donc, le truc fait non seulement la détection, mais il bloque le trafic en direct. Et il est capable de dire, je te filtre 12 gigabits par seconde de trafic. En tout cas, entre 9 et 12, selon les features activées, c'est du solide. Bon, après, bon, c'est du proprio. Hein. Mais après, pour avoir déjà fait du Fortinet dans le passé, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Hop, alors. On va reprendre notre... alors, ah oui, la blague. Alors, quelle est l'interface? Celle qui est sur le NAT, c'est celle qui se termine en A9. Donc la WAN, elle se termine en A9, c'est VTNet 0. VTNet 0. Ensuite, l'autre, ce sera forcément VTNet 1. Hop. Donc le LAN, VTNet 1, le WAN, VTNet 0, c'est tout à fait ça.
Alors pour être honnête, je suis pas si compétent que ça en réseau, hein. Mais je m'en sors pas mal. Enfin, en tout cas, j'espère. J'ai fait les deux en fait, Dino, système et réseau. Je suis assez d'accord avec The Vengeur. Le réseau, on y vient de toute façon par la force des choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut de toute façon connaître un minimum les deux. Très bien. Alors, OpenSense is running live mode from install media. What? Please login as root to continue in live mode. Or as in... Ah bah d'accord, on n'a pas. En... Je me disais aussi. Bon bah installer alors. Hop. Use the default or previously imported root password for both accounts. Je suppose que c'est OpenSense, le mot de passe par défaut. Login incorrect. Alors, on va aller voir dans la documentation. Installation. Initial. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Embedded versus full. C'est pas ça qui nous intéresse. Nanana, ça ok, installation, nanana, système boot préparation, jusque-là tout va bien. Importeur, non, je pense que je vais aller faire un truc, on va faire ça, on va faire password, hop là. Installer, password OpenSense. Ok, donc j'ai dû faire une faute de frappe. Donc installer. Ouais. Alors, oui, c'est un oui qui m'a pu S, moi ça me va. On va l'installer, on va aussi l'installer en UFS, hein. On va être. Je sais que je leur ai mis 4 Go de RAM, mais quand même. VT, bah oui, le disque de 20 Go. Last chance, are you sure? Oui! Oui! Allez, hop! Et il installe. Oui, donc pour le moment, parmi les sujets. Oui, tout à fait, Ardoura, je suis en clavier américain, en clavier QWERTY. Hop, non, de ce côté-là. Hey, merci beaucoup pour le follow, sine qua non. Merci beaucoup. Hop. Alors, ouais, et du coup, c'est un méca, c'est du raid, donc c'est pour ça que vous entendez bien les touches. Et en plus, le micro est pas loin du clavier. Oui, donc parmi les choses qu'on a déjà envisagées pour les prochains sujets, pour celles et ceux que ça intéresse, donc. J'avais évoqué justement d'aller découvrir Proxmox. J'ai un vieux switch Cisco qui traîne. Et on peut montrer les bases un peu de comment on se connecte sur un switch Cisco, comment on se dépatouille avec. Et aussi, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Ah oui, des idées que j'avais proposées à côté du jeu des 7 erreurs là qu'on est en train de faire. Faire Mumuse avec le projet Tiny Cloud qui est sur qui a un truc pour Alpine Linux qui vient d'arriver avec Alpine Linux 3.18 et la découverte d'un soft que j'ai vu pas mal passer récemment qui s'appelle Casa OS. Oui, tout à fait, The Vengeur. Bah toi, t'es déjà sur le Discord, donc forcément, tu sais ce que. Mais voilà. Donc en gros, pour le moment, il y a ça comme idée. Alors, root password, bah oui, on va le changer, hein. Hop. Voilà. Voilà, c'est ça, Gizmo, visiblement. Alors, un expert de TrueNAScore, non. Mais je fais mumuse avec TrueNAScore de temps en temps, Gizmo. Salut à toi le pixel. Bon bah maintenant qu'on a fait ça, exit and reboot. Et on sera en 192.168.1.1. Ok.
Mince, je sais pas si je t'ai salué, Loupixel. Je crois que j'ai eu un moment d'absence. J'espère que tu vas bien et j'espère que t'as passé une bonne journée. Alors, The Vengeur, non, 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 non. Est-ce qu'on peut faire des VM sur Cloud OS? Alors déjà. Oui, bah oui, bah, sine qua non, oui, je t'ai salué pour le follow. Cloud OS, ça ne me dit rien du tout, pour être honnête. Je ne connais pas. Alors. WD My Cloud OS. C'est quoi ce truc? Nom d'utilisateur, mot de connexion, identifiant, hein, créer un identifiant. Mais c'est quoi ça? Je connais pas du tout Sine qua non, hein. C'est. Ah, cloudos.me. Ah, tu parlais de CasaOS. Autant pour moi. Alors, CasaOS. Oups, mince, je me suis trompé. CasaOS. CasaOS, voilà. CasaOS, en fait, c'est plus une interface pour un cloud personnel. Hop, allez. CasaOS, CasaOS. Hop. Tac. Tac. Pendant que ça charge, Gizmo qui nous dit qu'il a un super micro avec un EPIC, 256 Go de RAM, 2 x 40 Go, 23 disques durs. 23 disques de 3 Tera en NVMe. Oui, ça va patater avec un trou NAS Core. Oui, Gizmo, ça va patater. L'URL de la démo est dead. Ouais, effectivement, l'URL de la démo a l'air un peu HS. Alors, à ma connaissance, c'est pas fait pour faire de la VM, enfin pour créer des VM, c'est plus là pour faciliter les via une interface sympa des partages ou des mises en place de conteneurs notamment pour des applications. Bah tiens, là hop, si je fais ça, alors désolé, c'est vraiment full screen, mais tu vois, tu as un truc avec un petit panneau avec un App Store qui en fait est juste un moyen facilement d'installer des conteneurs Docker. Globalement. Et on peut rajouter sur cette web UI des widgets. Donc voilà. C'est plus pour faire ton cas drive perso. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Bien. Alors, maintenant que notre FreeBSD a démarré là, enfin notre FreeBSD, notre OpenSense, on va retourner sur notre desktop. Hop. Et on va lui dire, au fait, va peut-être falloir te réveiller du réseau Wired Settings. Hop, et il est connecté. Parfait. Ensuite, si je retente d'aller sur Linux Affaires, est-ce que ça passe? Ça passe, mais ça peut être dans un cache navigateur. Donc si je vais sur anotherhomepage.org, ça passe aussi, c'est plutôt bon signe. Allez, 192. Pas point 1, point 2, point 1, point 1. Donc ça, on le sait, hein, la force, il nous dit, on va accepter le risque. Et donc, root, et on a mis password. Oui, je troll, comme a dit Nils, je pense que ça va bien marcher. Même si je connais pas trop Nascore. Bah oui. ah oui, d'accord, ça. Qui c'est qui. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'il manquait de RAM. Bah de toute façon, Gizmo, c'est pas que ZFS, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel système d'exploitation ou n'importe quel logiciel, plus tu lui donnes de la RAM, plus il en consomme. Ah oui, d'accord, Gizmo, ouais, effectivement, 3. École de 3D, effets spéciaux, oui, c'est normal que tu aies besoin de ce genre de performance
pour du stockage. Oui. Alors, allons-y, le wizard. Hostname, open sense, local domain, ouais, on va peut-être laisser ça, English, ok. Primary DNS, bah, de toute façon, on va le laisser en... Voilà. Enable resolver, ok. Bon, on va pas forcément le mettre DNS sec, hein. Tac, TC, TC, c'est très bien. Tac. Général configuration, ça, on s'en fiche. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a déjà vu sur DinFi, hein. DHCP, hop. Alors, bloqué, non, ça on va enlever. Et les bogones, on va l'enlever aussi. Parce que sinon, notre firewall va tout nous filtrer dans la figure. Et on va le laisser en 1.1. Hop. Et root password, on va garder l'actuel. Tac. Et reload. Et si je reviens sur le dashboard, hop. Bon, bah, comme vous pouvez voir, hein, ça ressemble quand même pas mal à DinFi, hein, c'est juste que le thème n'est pas le même. Mais globalement, les menus sont pareils. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller voir. Tiens, déjà, on voit bien FreeBSD 13.1. Donc, on est bien en release de FreeBSD. Salut Nidouille! J'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée. On va vérifier, tiens, les mises à jour, normalement, je ne dois pas en avoir. Merci Pragma Cloud pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, Gizmo qui nous dit... Ah bah on va pouvoir bench, vu que le DSI s'est un peu trompé. Il fallait au moins 100 Tera. On n'en a que 50 en Red Z. On va sûrement faire un serveur pour le read. Et un serveur pour le write. C'est ça, je continue avec le comparatif pour l'instant. Alors, on est juste en train de faire les installations, hein. Donc, pour l'instant, on a installé PFSense la semaine dernière. On a installé DinFi la semaine dernière. Ça n'avait pas l'air de marcher des masses. Le réseau, comment dire, le firewall avait l'air d'empêcher la connexion vers l'extérieur. Mais tout à l'heure, quand on a redémarré le lab, ça fonctionnait au poil. Et là, OpenSense fonctionne lui aussi plutôt au poil. Juste que, a priori, on aurait quand même des mises à jour. Bon, on va les lancer tout de suite. Nidouille, l'influenceuse d'InFi. J'espère que tu as reçu des goodies de la part de DinFi, Nidouille, hein. Mais pour en revenir au NAS de Gizmo, effectivement, un read et un write, et à la limite, faire bah, tout simplement ce qu'on appelle du tiering, hein, c'est-à-dire que au bout d'un moment, s'il n'y a pas besoin d'avoir j'imagine que les fichiers ont une certaine durée de vie. Donc, quand il y a vraiment besoin d'y accéder régulièrement, bah, on peut les mettre sur du stockage rapide, et puis après, on les met sur du stockage plus lent. Et qui coûte moins cher en plus. Non, même pas eu de goodies, scandale. Oh là là, va falloir aller faire un esclandre sur Twitter. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais oublié. Je suis impardonnable. Vraiment, vraiment, je suis impardonnable. Je mérite d'être, comment dire, je mérite d'être fouetté en place publique parce que quand Fixoulab est arrivé, je n'ai même pas pensé à lui faire un petit shoot-out. Donc, après Fixoulab, dans quelques minutes, ce sera au tour de Nidouille. Alors, là, tu vois, pour rencontrer les équipes de Rudder début juillet après le hack. Ok, c'est cool ça. Allez, le firewall reboot.
Ah bah oui, le NVMe, oui, le prix picote, hein, surtout que sur les serveurs, ouais, tu dois. Le prix des variantes Enterprise est généralement assez salé. Alors peut-être on va jeter un œil. Voilà, il est en train de redémarrer, hein, tant qu'à faire, on va regarder le boot. C'est pas du Samsung, c'est du Micron Enterprise. Oui, encore que Samsung fournit même aux entreprises, hein. Enfin, je veux dire, Samsung peut fournir en marque blanche, hein, je crois. Je me demande si j'ai pas des disques durs Dell qui sont des Samsung, en fait, hein. Et NVMe sur serveur ne sont pas les mêmes, car ils ont vraiment différents. Oui, bah oui. Alors, hop, il a redémarré. Tac. License. Ok. Le dashboard est à nouveau là. Ok. En termes d'interface, bon, bah, on a ce qu'il nous faut. Bon, globalement, l'installation, hein, elle s'est déroulée assez facilement. Le truc est fonctionnel. On a une connexion assez rapidement. Donc, on va l'éteindre. On va l'éteindre. Et puis, on va passer à l'installation de. Mince. On va passer à l'installation bah, de IPFire. Allons-y. On va aller chercher dans le boot. On va aller chercher IPFire. T'es où? Hop, t'es là. Donc ça va être un Linux, mais je ne sais pas lequel. Donc dans le doute. Je dois avoir un... Il doit y avoir un générique Linux, hein, normalement, quelque part du côté de... Alors... Ils n'ont pas juste... Ah oui, générique Linux. On va mettre 2000, 2020. Histoire de... Hop. 4 vCPU, 4 Go de RAM pour toi aussi. Non, non, tu auras toujours que 20 Go. Et on va l'appeler IPFire. IPFire. Hop. Alors, IPFire, c'est du Linux et c'était effectivement basé sur IPCOP. Je me demande si c'était pas du from scratch, hein, si les mecs faisaient pas leur truc à la mano en mode Linux from scratch. Donc, CPU, hop, comme d'habitude, on va remettre la topologie de cœur de thread. Oula, pas 22 cœurs, de thread, voilà. Ensuite, on est bien en Virtio, on est bien en SATA, l'interface, elle est bien en Virtio. On va rajouter une interface, comme d'habitude, qu'on va aller mettre dans notre réseau de firewall. Paf, voilà. Et on va lancer l'installation. Allons-y. Alors, hop, avant de démarrer, on va faire scale display tout de suite. Tac. Et ils se sont éclatés quand même, hein, ça fait long. Enfin, je sais plus, à une époque, ce genre de pingouin, cette manière de faire les pingouins, ça me fait beaucoup, beaucoup penser au milieu des années 2000. J'ai l'impression que depuis grosso modo 2010, la hype vers ce genre d'artwork est passée. Bon bah on va le faire installation comme ça, voilà. Salut Manon, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé toi aussi une bonne journée. Et maintenant qu'on a fait le shootout à Fixou, est-ce qu'on peut faire le shootout à Nidouille? Mais oui, voilà. Manon, toi ces genres de pingouins, ils te plaisent pas. On va, je vais le laisser en anglais, hein, tant qu'à faire, démarrer l'installation. Là, on va s'assurer qu'on accepte la licence. C'est la GNU GPL, hein, a priori. Version 3, ok. Bah oui, delete all data. Hein. Tiens, je vais le mettre en XFS. Allez. Les Tux étaient sur le site de Crystal XP. Alors, si tu le dis, Xavier.
Et maintenant qu'il préfère les pingouins de Madagascar. Unable to create... Ça commence bien. Setup has failed. Ok. Alors The Vengeur, en théorie, oui. Dans la pratique... Alors, on va reprendre, hein, parce que franchement, c'est... Ce fut, comment dire, ce fut bref. Allez, apply. Oui, 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 pas de souci. Allez, reboot-moi la box. C'est pas de chance. Allez, force reset. Non, non encore. Bon, allez, force off. Tiens, on va s'assurer qu'on a bien sur le SAT. Hein, ok. Ah oui, puis il faut que je... Oui. Forcément, c'est la boot option, en fait. Allez, hop, hop. On fait ça ici. Voilà, installé. J'ai dit installé, voilà. Puis on va refaire, et puis on va voir ce que ça donne. English, start. On accepte la licence, ok. On delete all. Et on va dire XT4, file system. Non, pas Wii Out Journal. Free system, voilà. Partitioning disk. Ok. Donc on notera que déjà en XFS ça passe pas, c'est un peu dommage. Je sais pas du tout. Ils ont une documentation quelque part. Hop, IPFire. Est-ce qu'on était allé voir la wiki? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent Si on va, si on revient sur leur wiki, installation. For testing and development purpose only. On peut le faire en machine virtuelle. Et il propose Oracle VirtualBox. Ouais, ok, vidéo tutoriel. Migration, on a. Ok. Things to how to compromise. Oula. Ouais. Ok. AWS, Exoscale et Snare. Ouais, ok. Allons-y, check les prérequisites. Ok. Préparer le média d'install, ça on a vu. Run the installer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils disent que genre c'est un truc expérimental ou pas? Par exemple, le XFS. Ah bah tiens, le Riser FS. Ils avaient mis Riser FS à une époque, visiblement. Deprecated, ok. Mais bon, ils disent que c'est un système robuste, hein. Enfin, le système robuste. Oui, Manon, on installe du pare-feu. Et le doudou de ton fils est un pingouin qu'on lui a offert à 12 mois. Oh, c'est mignon. Ça a vieilli, ouais, je suis assez d'accord. T'es où le... Ah, fiou. Alors, ok, c'est tout. Juste, eh, au fait, bim. Et après... Allez, reboot. Ok, alors oui, forcément, là, il me... Alors, on va l'éteindre. Force off. Ok. On va enlever le média. Hop. On va remettre... Hop. Ça, comme ça. On va le démarrer. Eh ben, a priori, personne ne s'intéresse à BetterFS côté IPFire. C'était quoi le FS où le mec est en prison? Bah non, c'est justement Riser FS. C'est Riser FS, parce que Hans Riser a tué sa femme. Enfin, si, je crois qu'il a avoué, hein. Parce que je veux pas faire de... mince. Comment on dit? Je ne veux pas en... Je ne veux pas faire de... mince. C'est quoi le mot? Comment on dit, tu sais, quand on dit des trucs qui sont faux, mince. La diffamation, voilà. Je ne veux pas diffamer, mais aux dernières nouvelles, Hans Reiser, merci Nidouille, Hans Reiser est en prison pour le meurtre de sa femme. Est-ce que je connais la solution ClearOS? À la base, c'était un petit routeur firewall basé sur CentOS. Le nom me dit vaguement un truc, Nidouille. Maintenant, une suite plus complète comme l'AD serveur de fichiers. The Vengeur, à peu près n'importe quel FS devrait être en prison. Ils utilisent tous des pointeurs. Oh. Bref. Je sais pas s'il y a des gens qui ont voulu
continuer la maintenance de Riser FS. Choose the type of keyboard you are using from... Bah, US, oui, US, hop. Ils auraient pas un UTC par hasard? GMT, nanana, nanana. Si je descends tout en bas, il y a moyen de faire un... Pacific, US, UTC, voilà. La machine va s'appeler IPFire, ça très bien, local domain, password. Attends, mais il n'y a rien. Attends, mais il m'affiche rien, là. J'aurais aimé avoir au moins des étoiles. Salut Cool Geek, j'espère que ça va. Hop. Admin user password. Ouais, bah écoute, ce sera pareil, hein. Zut. Fichtre. Voilà. Current config, green plus red. Alors voilà, là par contre, on n'a pas one et lan, mais on a green et red, donc vert et rouge. Ils ont forqué en CLFS. Ça va, tu viens prendre des cours de firewall. Oui, alors pour le moment, c'est juste, on fait mumuse. Hein. Ok. Donc on va rester en green plus red, effectivement. Ce qui est un peu dommage, c'est que là, ils précisent même pas à quoi ça sert. Drivers and cards. Ok. Ah, voilà. Donc, on va commencer avec la red. Et la red, alors, c'est laquelle, la red? Donc la red, c'est la one, hein. Ils le disent pas, mais c'est la one. C'est l'interface liée à Internet, et donc c'est bien celle en FE qu'il faut qu'on mette en red. Donc, c'est bien celle-ci. Voilà. Et ensuite, green. Voilà. Ça, c'est fait. Orange, c'est sûrement un réseau invité de type Wi-Fi, par exemple, et Blue, sûrement une DMZ. Cool Geek, inversement. De mes souvenirs, inversement. Address settings, allons-y. Sur l'interface RED, eh ben, ça va être du DHCP. Tac. Et le green. 192, 168, bon on va mettre 1.1, hein, on va pas se casser la tête. Hop. Et c'est fait. Hop. Je trouve ça assez dommage par rapport aux autres installations. Enfin, cette histoire de... franchement, cette histoire de green et red, j'ai... C'est... Avec le recul, je trouve pas ça très très très... Alors... Ben on va activer le DHCP, oui, start address 192.168, on va dire 0.1.100 et end 192.168.1.199 primary DNS 122.1 tac 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 setup is complete, ok. L'installateur est daté aussi. Ok, c'est qu'un installateur, mais quand même. Oui, je trouve aussi. Et merci Hypercube Project pour le follow. C'est gentil. Alors. Et ils appellent même les interfaces Green 0, Red 0. C'est assez fou. Attends, ils ont une limite à 1 giga, les interfaces. Attendez, mais moi, il y a un moment, je vais avoir envie de faire de l'Hyper 3. Ça va être... Pas de soucis, Nidouille. Bon, live à toi, on te rejoint tout à l'heure. Mais ouais, pour le coup, rustique, hein, IPFire. Hop, on va revenir ici. Ah, trompé. Donc,
On va faire comme tout à l'heure, hein. On va revenir là. Voilà. On se déconnecte. On se reconnecte. Et HTTPS. Donc, 192.168.1.1, 2.444. Tac. On accepte. Et on a dit admin. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour envoyer le profil au développeur pour dire hey, au fait, ma machine elle marche? Ouais, non. Ah, mais non, je veux pas aller sur le système home, donc c'est ça, je suppose. Mail service, what? Ok. SSH access, bon. J'ai une vague idée de ce à quoi, enfin de ce que c'est tout ça, mais franchement, oui, Cool Geek, c'est très certainement ça. Système information, tiens, qu'est-ce qui nous découvre? Eh ben, c'est... Donc, ok. Packfire version, ouais. Et si jamais je veux vérifier système status. Donc ok, on a des graphes. Question, est-ce que j'ai accès à l'internet au moins? Oui, j'ai accès à l'internet. Si je vais cliquer ailleurs, histoire d'éviter d'être dans les caches, ça a l'air d'aller. Hop. Très bien. Ah mais oui, complètement, moi ça me rappelle les souvenirs. Hein. Firewall, firewall rules. New rule. Ok. Service, IPsec. Qui propose de l'IPsec. De l'OpenVPN, du Dynamic DNS, Time Server. Et il propose même de faire de la QoS. The Vengeur qui fait « Allô, les années 90, vous voulez reprendre votre techno? Ouais, on vous la laisse. » Bon, après, ça fait le job, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est quand même ultra daté en termes d'interface. Et alors, les concepts d'interface red et green, voilà quoi. Portail captif, ça c'est cool. Ok, un proxy, filtre d'URL. Update accélérateur. Oh. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais j'imagine que ça doit être plutôt un truc façon proxy cache, non? Online help. Ah, ça c'est cool, au moins il y a une work in progress. Ça commence bien. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà, c'est qu'en fait, il va mettre du cache. Alors, update accélérateur, voir son service. Ok, donc le... Ok. Ça, c'est... ça, honnêtement, c'est une bonne idée. Ça, c'est une excellente idée. De pouvoir dire, hey, au fait, quand il y a des mises à jour qui vont se télécharger. Parce que typiquement, quand on utilise ce genre de produit, ces petits firewalls, c'est que dans pas mal de cas de figure, on va avoir un certain nombre de clients qui vont être relativement homogènes. Donc on va avoir 10 ou 15 Windows, 10 ou 15 Mac, 10 ou 15, je sais pas moi, 10 ou 15 Linux qui sont à peu près les mêmes. Et globalement, c'est pas bête de dire, eh ben, quand il y a des mises à jour chez Microsoft, quand on voit qu'il y a des requêtes qui passent par chez Microsoft, eh ben, on va peut-être mettre en cache les trucs qui sont téléchargés. Et on va faire en sorte que c'est récupéré facilement. Donc, franchement, c'est... Donc forcément, il se base sur Squid, logique. D'accord, et en plus, ouais, y a moyen de vérifier, enfin de le mettre en place pour... Ok.
Non, ça franchement, c'est une bonne idée. Je sais pas si je sais pas si c'est mis en place comme ça sur les autres firewalls, mais franchement, non, sérieusement, très sérieusement, le reste de l'interface, bon, enfin, l'interface en elle-même, elle est franchement datée. Il est plus que temps de faire quelque chose. Le concept red-green, moi, ça me... bof. Mais sinon... Parce que là, typiquement, enfin voilà, les trucs, c'est... Est-ce qu'on sait si la machine arrive à accéder à Internet? On ne sait pas trop. Punaise, les graphes, hein, à chaque fois, il faut aller sur une page à l'autre. Attendez, on peut tout mettre sur une même page. Les services, ça c'est... Oh punaise. Ah non, franchement, c'est ultra daté. C'est bizarre ça qu'on ait un in. On a un in sur red traffic, mais on a 0 en out. Hardware graph. J'ai rien. SDA, HDC, qu'est-ce que c'est que cette blague? Bon. Au moins c'est léger. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, j'ai pas l'impression que ça vient manger le. Tiens, hardware vulnerabilities. Oh, amusant ça. Tiens, c'est amusant ça. Alors, de quoi il s'agit? En gros. Je pense que juste au cas où je vais rappeler depuis ben, ça date de quand 2018 Meltdown et Spectre. Donc aujourd'hui des vulnérabilités on en trouve aussi dans les processeurs. Alors pourquoi? Bah parce que mine de rien, un processeur ça contient aussi du logiciel. Un processeur ça contient un firmware. Ce qu'on appelle généralement chez Intel et AMD, ce qu'on appelle le microcode. Qu'est-ce que c'est le microcode? En fait, ce sont des, c'est du logiciel, mais c'est du microcode bah, pour processeur, donc c'est pas à la même échelle qu'un BIOS ou je sais pas moi, ou l'OS pour votre téléphone portable, par exemple. Le principe. C'est que donc il est possible pour les fabricants de processeurs, grâce à des mises à jour de microcode, de pouvoir corriger des dysfonctionnements des processeurs. L'idée, c'est que ça peut arriver dans les conceptions des processeurs. Aujourd'hui, un processeur, c'est quelque chose qui est énormément complexe. On n'imagine pas à quel point. Et ça peut arriver que ben, y ait des bugs. De la même façon qu'il y a des bugs dans les logiciels, il y a aussi des bugs dans le matériel, dont les processeurs. Et de cette façon, les fabricants, je pense principalement à Intel et à AMD, mais ça peut être le cas pour d'autres fabricants de microprocesseurs, que ce soit du RISC ou de l'ARM, eh bien, comme ça, les fabricants peuvent, en proposant des mises à jour de microcode, eh ben, ils peuvent proposer des correctifs pour justement pour les divers bugs qui peuvent être rencontrés. Et de ce fait, eh ben, si des bugs sont possibles, des vulnérabilités sont possibles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une classe de vulnérabilités qui a été découverte, notamment avec Spectre et Meltdown, où en fait, les vulnérabilités vont exploiter ce qu'on peut appeler la prédiction de branche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des processeurs qui sont très rapides. Et pourquoi est-ce qu'ils sont très rapides? C'est parce que dans certains cas de figure, ils vont faire ce qu'on appelle de la prédiction. C'est-à-dire que ils vont se dire, tiens, il y a peut-être une situation qui va aboutir à tel résultat, tel résultat, tel résultat. Et les processeurs vont se mettre à calculer en fonction de ces différentes possibilités. Alors pourquoi? Ben, parce que comme ça, une fois que l'une de ces possibilités est atteinte, le calcul ayant déjà été fait, le processeur peut vous renvoyer cette information plus vite.
et mettre à la poubelle les calculs qui n'ont servi à rien. Et c'est sur ce genre de système, c'est sur ce genre de principe que viennent prendre en compte ces vulnérabilités-là, parce que ben, se mettre à la poubelle, visiblement, il n'est pas très bien fait. Et généralement, c'est aussi pour ça que les premiers correctifs pour ces vulnérabilités, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on parlait parfois de jusqu'à 20% de perte de performance, eh bien, parce que justement, le fait de corriger ces histoires de prédiction de branche, eh ben, parfois, c'était juste la désactiver, et de fait, ben, on avait un gros pépin sur les perfs, puisque le truc avait vraiment une avancée non négligeable. Et donc, depuis, les chercheurs en sécurité se sont mis à aller creuser un peu plus loin. Ou Call of Duty Warzone 2 qui fait 200 gigas. Ah, pour accélérer les... Alors attention, pour le truc de... d'update accélérateur, The Vengeur, si t'es tout seul derrière ta ligne fibre ou XDSL, l'update accélérateur ne pourra rien pour toi. Ah, je parlais de la complexité du code. Oui, alors, je pense que si Call of Duty Warzone 2 fait 200 gigas, c'est pas pour la complexité du code. Je pense que c'est les textures, les assets graphiques qui pèsent énormément. J'ai toujours trouvé assez ouf que certains jeux aillent peser jusqu'à plus de 100 gigas. Quoi, tu veux dire que c'est mal optimisé aussi? Alors, attention. Je ne dis pas que c'est mal optimisé. Je dis juste qu'il est probable que le jeu soit fait pour fonctionner avec un certain nombre de configurations. Et que des fois, on va vouloir... alors oui, effectivement, comme disait Manon, textures, sons, cinématiques. Mais justement, si ça se trouve, ces textures, ces sons et ces cinématiques vont être encodées avec une compression qui n'est peut-être pas du X265, enfin du H265, tout simplement parce que tous les ordinateurs qui sont censés pouvoir faire fonctionner ton Call of Duty, eh ben, ils ne gèrent pas forcément le H265. J'avais vu, alors c'était il y a un moment, hein, et j'avais vu passer un exercice. Il y a des développeurs qui s'étaient amusés, pour l'exercice, à essayer de faire un jeu ultra optimisé en termes de place, en utilisant justement seulement des textures qui étaient déjà disponibles via les API. Alors, ils avaient fait un truc qui était pur DirectX, par contre, pas d'OpenGL. Et en fait, fallait avoir justement obligatoirement au moins une certaine version de DirectX avec avec forcément une puce graphique. Alors, par chance, j'avais pu essayer. Et c'était assez marrant parce que c'était juste un petit niveau d'un truc de type FPS. Et ça tenait sur, je sais plus, genre l'équivalent d'une disquette. Ça faisait moins d'un méga. Et pourtant, t'avais un jeu de type FPS. T'avais un niveau, on va dire, façon Quake, quoi. Donc t'avais un truc qui était une map à la Quake. Et le truc tenait vraiment pas beaucoup. Après, t'avais pas vraiment de musique. T'avais pas beaucoup de bruitage. Mais c'était faisable. Par contre, effectivement, t'étais super limité sur les usages des textures possibles et d'autres trucs comme ça. Parce que quand tu veux te mettre à utiliser effectivement un certain nombre d'optimisations, tu te retrouves à laisser pas mal de monde sur le carreau au niveau... Et quand tu vas regarder le sondage sur le matériel, le sondage Steam, tu vas remarquer que ben, beaucoup de gens ont des configurations qui sont relativement faibles. Et quand tu es un éditeur de jeu comme Call of Duty, c'est Activision. Quand tu es un éditeur de jeu comme Activision, tu veux pas que trois personnes jouent à ton jeu. Tu veux qu'il y en ait plein. Parce que ton jeu, tu veux le vendre à beaucoup de gens.
Il y a une streameuse qui dev un jeu dont les graphismes sont uniquement gérés avec des shaders, pas de texture ou autre. Ben voilà, c'est ça aussi Cool Geek. C'est ce que dit Cool Geek, c'est Anjo. En gros, quand tu te retrouves avec les graphismes uniquement gérés avec des shaders, bah tu vas te dire, soit tu prends le truc vraiment le quelque part le plus bas dénominateur commun, quoi. Voili voilou. Mais et de cette façon, enfin, moi je suis très content que, par exemple, vous voyez la machine qui est là qui sert d'hyperviseur pour mes petites VM et mes firewalls, le Xeon E5 2630 0 là, c'est un vieux CPU, c'est un truc qui a 10 ans. Intel ne sort plus de mise à jour de microcode pour ce truc-là. Bah, je suis quand même bien content de pouvoir faire tourner un système d'exploitation moderne, hein. Je suis avec un noyau quand même en 6.2. Je peux faire tourner un certain nombre de choses là-dessus. Et voilà, et la vitesse est largement acceptable. Bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, je peux faire tourner normalement les dernières RHEL dessus. Par contre, si je vais chercher mon corps de duo qui est dans l'armoire, et ben il se trouve que c'est pas garanti que je puisse faire tourner une CentOS 9 ou une RHEL 9 sur mon corps de duo. Parce que je crois que lorsqu'ils ont recompilé, quand ils ont fait la compilation des paquets chez Red Hat, ils ont dit on veut, je crois c'est le x8664-2, et qui de fait a justement est optimisé pour certaines instructions, et les premiers processeurs AMD 64 ne les ont pas. Le jeu rend pas mal et le dev avec une 960 Ti. Ah! Une 960 Ti, mine de rien, c'est 1, c'est de l'entrée de gamme, et 2, ça a maintenant quelques années, puisque 900, les 1000, les 2000, les 3000, on est à 5 générations de cartes graphiques Nvidia. Donc mine de rien, c'est plutôt pas mal. Bien, on a quand même pas mal divergé. On va continuer nos histoires de firewall. Donc, ok, c'est cool, ils mettent ça, mais après, sachant qu'on n'est pas censé exécuter du code inconnu sur un firewall, globalement, est-ce vraiment nécessaire? J'imagine qu'il devait y avoir de la demande ou que ça a fait plaisir aux développeurs, donc bon, pourquoi pas. Ça me rappelle des fournisseurs d'appliances pareil de type firewall ou détection d'intrusion. Les mecs avaient clairement un CPU vulnérable et on leur demandait, dites, vous comptez faire une mise à jour pour ça? Et ils font, on n'est pas vulnérable, on s'en fout. Mais si, vous êtes vulnérable, c'est juste que pour les cas d'usage, ce sera pas exploité, c'est tout. Mais bon. Bien, net trafic. Ah, ben voilà. Oh la punaise! Oh punaise! Ah ouais, ça sent la. Oh. Ah, ça sent le vieux. Ah tiens, je pensais que ce serait un bon vieux RRD Tool, mais non, ça a l'air d'être un autre truc. VNstat. Timit, et voilà. Ok. D'accord. Ok, soit. Et MDstat, je suppose que c'est si jamais on a mis deux disques durs. Ouais, bah oui, forcément. J'ai pas de raid là-dessus. Et par contre, hardware graph qui est. Alors, est-ce que. Voilà, IPFire. C'est quoi ça, Packfire? Refresh list. Packfire has finished. Error occurs. What? HTTP, erreur 500. Il n'arrive pas à se connecter à packfire.ipfire.org. Mais pourquoi? Name or service not known. Il n'arrive pas à se connecter à Internet?
Ah, il y a moyen d'avoir des add-ons, repository stable. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le configurer autrement, le système? Système information. Non, status. Network. Oui, mais non, ça c'est les. Ok. Service. Log. Bon, ça c'est les logs. Ouais, franchement, c'est pas très. GUI settings. Bon, ça. Ok. Bip ou NIP fire connect or disconnect. le fameux bip, le bon vieux bip IP cop. Bah pourquoi pas, cool geek. Si ça t'amuse après, je vais peut-être pas la regarder en direct. Hein. Il n'y a pas moyen de reconfigurer, il faut le... No mail, ok, c'est cool. Si je fais ping 1.1, ça passe. Ouais, ça passe. Et si je fais ping linuxfr.org, ok. 127.0.0.1. Mais pourquoi il est en mserver 127.0.0.1 aussi? C'est quoi cette... Ça, c'est les options de firewall, masquerie. Franchement, leur truc... Parce que là, de fait... Ah, en fait, faut que j'édite le truc à la main. Hein, dans l'onglet Network. Zone con... Ah oui, tiens. Zone configuration, ok. Domain name system. Status broken. Bah, pourquoi? Check DNS server. Pourquoi broken? 122 points. Ah, attends, t'as bien une IP en 122, ouais. Si je fais ping 192.168.122.1, ça marche. Est-ce que j'ai dig là-dessus? Ouais, j'ai dig. Donc dig at 192.168.122.1 linuxfr.org. Ouais, ça marche. Protocole pour les DNS queries, enable self-serve, YouTube. Reverse lookup failed. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Check DNS server. Ok. Bon, écoute, on va pas s'embêter la vie. 1.1.1.1. Voilà. Non, remarquez, on va mettre autre chose. C'est quoi les... on va aller chercher FDN DNS. Allez, hop. Voilà, résolveur DNS ouvert. Et on va prendre NS1, on va pas s'embêter. T'es là. Hop, voilà. Save. Ok. Voilà, et maintenant, est-ce que... Hop, est-ce que ici, si je fais un cat etc.resolve.conf... Non, toujours rien. Ah, remarque, il a peut-être son propre cache DNS. Hop, allez, c'est parti, refresh list. Ça a l'air mieux. Mais a priori, le truc est à jour. Ok. Ah non, on a des add-ons. Ok. Donc on peut installer... Oh, j'ai cru voir Borg Backup. Alza, pourquoi Alza? Bird. Merci Hardware Address. FFmpeg, mais pourquoi FFmpeg? Eps. Oh là là, la quantité de cochons, c'était. Tiens, il y a de l'hyperf. Qui peut l'AFD? Ouais. IPVS ADM, ouais, ok. Delib, ok. Make. Ouais, non, mais oui, effectivement. Non, y a... ah, oui, il y a lame. What? Alors, je sais pas pourquoi il y a tous ces add-ons. Un firewall desktop. Ouais, non, il faut pas exagérer. Parce qu'à la limite, tu vois qu'il y a un agent Zabbix, je comprends. Ah, XinetD, pitié quand même. Xvid. Attends, mais j'ai pas entendu ce mot depuis des lustres.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Thor, ok. Temux, ouais. Telnet, ouais. Bon, TCP DAM, c'est pratique. 6 bench, ouais. Bon, 6 bench, stress, je veux bien croire. Estras, ouais, ok. SSLH, ouais, ok. Samba. Attends, mais on parle d'un firewall là. QMUGA. Ok. Je dois avouer que je suis. AirSync, il n'est pas présent par défaut. Ouais, bon, à la limite, pourquoi pas, hein, s'il n'y en a pas besoin. Ouais, bizarre. Observium agent, ok. Nmap. Firmware PC Engine, ouais, ok. OpenVM Tools, ouais, ok. Il y a des trucs qui font sens, hein, mais il y a des trucs là-dedans, dis donc, c'est du. Pareil, bon, Nagios NRPE, Nagios Plugin, je peux comprendre. MTR aussi. Pas de soucis, Manon. Bonne soirée à toi aussi. A bientôt, j'espère. Repose-toi bien. Quand on est naze, il vaut mieux se reposer, effectivement. Bref, ok, bon. Bon, je pense qu'on a déjà vu, on a fait un premier tour des interfaces. Ça, c'est cool. On a pu voir que, bon, globalement, il y en a une qui sent fort les années 90. Et les autres, ma foi, ça a l'air d'être à peu près potable. Ce que je pense que je vais faire tout de suite, c'est... On va refaire un truc. C'est que je vais couper... Je vais vouloir avoir les 4 firewalls allumés en même temps pour qu'on puisse comparer les interfaces de l'une à l'autre. Et ensuite, je ferai joujou avec directement la table de routage de mon Linux pour pouvoir switcher d'un firewall à l'autre si je veux traverser le réseau. Donc, ETH1 native, ok, green, ok, native. VLAN, mais j'aimerais bien pouvoir alors la question que je me pose c'est si je vais regarder sur si je fais un cat etc, si je fais net network interface, non, sysconfig, ok, network, non, il n'y a rien, rc.local, oh mon dieu. Un grep moins hier 192.168.1.1 DHCPD.1, ok. Unbound, ok. C'est quand même fou. C'est configuré où? Je peux pas lui changer son IP finalement? Edit host, DHCP server, URL filter, static host. Assign MAC adresse, source de configuration. Ça on l'a vu. Web proxy, bah de toute façon on l'a pas activé. Connection scheduler. Ok. Edit host. DNS forwarding, ça c'est pratique. Bon, on va aller chercher dans la documentation, hein. Est-ce qu'on a moyen de reconfigurer Search network, on va faire interface IP configuration. Tac tac tac.
Network Setup. Déjà, il y a ça. The Web Interface Network. Alors, ça, on sait. Donc là, ils expliquent les histoires. Donc, on a bien, effectivement, rouge, le WAN, vert, le LAN, orange, la DMZ, hop. Orange, la DMZ, et bleu, le réseau sans fil. Ah, il faudra faut le faire obligatoirement en shell avec la commande setup. Ok. Ok, bon, on va le faire. Hein. Tac. Networking. Address settings. On veut configurer la green. Ok. Et on va la mettre en point 4. Je pense que je vais faire pfSense en 1, OpenSense en 2. DinFi en 3 et lui là en 4. Ok. Et done. Done. Stopping network, starting network. Donc là, forcément, je vais avoir une coupure. Salut à toi, Elisoft. J'espère que ça va. J'espère que tu as passé une bonne journée. Restarting unbound. Oui, bah, de toute façon, je vais le couper, le DHCP. Hein. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, là, à mon avis, il vaut mieux que je mette 4. Voilà. Avancer. Accepter. Donc, on a dit admin password. Bon, on va en faire save. Hein. Et ensuite, on va retourner au niveau des status network. Il est où le DHCP? Il est ici. Et le DHCP, ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. Hop. Et où est-ce que je peux save? Ici. Alors, Elisoft, on a fini d'installer les 4 firewalls. C'est juste que je reviens sur les réglages. Pour avoir mes 4 firewalls allumés en même temps, je vais couper les DHCP, je vais leur mettre des IP différentes. Donc ça va permettre de voir comment on reconfigure les IP. Donc quelque part, on commence déjà à voir, on va dire, à faire des tests plus par la force des choses que de façon très très organisée. Alors, de fait, moi, je vais aller reconfigurer ici le réseau. Et hop, on va, au lieu d'être en DHCP, on va se mettre en manuel. Je vais être en 192.168.1.99. Hop, et la gateway, écoute, la gateway pour l'instant, ça va être 4. Et on changera la gateway après. Et non, j'ai... Hop, 4. Salut à toi, Vinishore. Ah ben oui, très clairement, on a tous compris que franchement, IPFire, c'était très 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 daté comme interface. Moi, ça me rappelle des souvenirs à l'époque où je montais Hop. Alors, si je tente ça et que je tente un ping 1.1, ouais, ça répond. Ok, cool. À l'époque où je montais de l'IPCOP, au milieu des années 2000, effectivement. Donc, maintenant que j'ai mon... alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'était l'ancien. On va pouvoir revenir ici. 192. Ah, je me suis trompé. 4. Bad request. Bah oui, normal, je t'ai pas mis en... Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va revenir. On avait dit que DinFi, ce serait 3. Hein. Donc, on va le démarrer. Mais je ne me rappelle même plus quel IP il s'était pris. Je faisais pas trop dans l'IPCOP ou IPFire. Je faisais déjà en mode CLI avec Debian.
Alors oui, c'est vrai que alors moi, les premiers firewalls que j'ai montés avant de faire de l'IPCOP, j'avais tenté une autre distrib, mais ça marchait pas trop. Parce que figurez-vous que l'ancêtre de Mageia, qui s'appelait Mandriva et encore avant qui s'appelait Mandrake Linux, ils avaient sorti un peu plus que juste une distrib desktop. Ils avaient fait une version serveur. Ils avaient fait une version serveur de la Mandrake ou de la Mandriva, je sais plus comment à ce moment-là quelle c'était. Et ils avaient fait une version routeur. Alors au début, ils avaient appelé ça, je crois, la Mandrake Security, puis ensuite ils avaient appelé ça la MNF pour Multi Network Firewall. Donc ils avaient essayé de faire ça avec une interface web basée sur Webmin, je crois. Et ça utilisait le firewall shortwall, qui existe toujours d'ailleurs. Et moi au début, quand j'ai démarré, je faisais ça avec du shortwall. Puis après, j'ai fait de l'IP table à la main. Alors, route, password. Alors, 192, 68, 1, 2. Allez. Merci beaucoup pour le follow. SR-Reborn? S-Reborn peut-être? Merci beaucoup pour le follow. Don't save. On va aller chercher tout de suite au niveau de la connexion. Alors, interface, LAN. On va changer l'IP. Hop, voilà. On va nous dire qu'on la mettait en 3. Alors avant de changer IP, peut-être, je vais faire cancel d'abord. Je vais couper le DHCP. Donc je crois qu'il faut aller dans les services. Ça ressemble vraiment à de l'OpenSense, hein, honnêtement. DHCP V4, LAN. Voilà, on va dire non, on arrête. Hop. On save. Voilà. Et ensuite, on va aller revenir sur les interfaces. On va revenir sur le... Alors pas sur le WAN, mais sur le LAN. Et là, on lui dit, au fait, tu seras là, point 3. Et on fait save. Et on fait apply change. Ah, du coup, j'ai probablement pas apply les changements du DHCP. Mais à la limite, c'est pas grave. Puisque de toute façon, j'ai mis la machine desktop en IP fixe. Donc là, forcément, il mouline et il n'a plus rien. Puisqu'il faut que je pense à passer en point 3. Hop. Accepter le risque. Don't save. Ah, j'ai dit don't save. Ah zut. Hop, logout. On peut se déloguer. Il est où le logout? Dashboard. Il est où le petit bouton logout? C'est celui-là? C'est celui-là. Hop. Là par contre je save. Voilà. Ensuite on revient service DHCP V4 LAN. Il est désactivé. Je vais aller vérifier dans le status. Interface LAN. Description. Nanana. List type active. On va aller vérifier dans le dashboard. Ça, c'est un peu dommage qu'il y ait deux clics à faire. DHCP V6 serveur. Bon, voilà. Non, il est arrêté. Ça, c'est bon. Non, a priori, le DHCP V4, on l'a pris. Ok, cool. Bien. Une fois qu'on a notre DINFI, on va aller chercher notre OpenSense. T'es où, OpenSense? Hop, il est là. Allez, démarre. Rigolo ce fork. De quoi, DINFY? Ouais, hein. C'est Nidoui qui me l'a fait découvrir. Ah,
Alors. Voilà, et lui il est en 1.1. Hop. 198.1.1. Hop. Mais non, pas 444. Tu vas pas l'avoir sinon. Hop. Donc là on a bien un DHCP serveur qui est allumé. On va tout de suite changer l'interface. C'est peu ou chose la peu ou prou la même chose. Hein. Vous voyez, hein, système, paf, interface, hop, LAN. Donc on a dit que ce serait ici la point 2, finalement. On va sauvegarder ça. Et en haut, il nous dit appliquer les changements. Donc là, forcément, on n'a plus d'accès. On va se passer en point 2. Accepter. Cette fois-ci, je sauvegarde. Ensuite, eh ben, comme tout à l'heure, service, DHCPv4, LAN. Et là, on dit, hop, on désactive. Je save. Et j'ai plus le truc lancé. Donc il a dû le désactiver. On va vérifier dans le lobby, dashboard. Et je n'ai plus le DHCP serveur V4. OK. Ensuite. Eh ben ensuite, on va finir avec PFSense. Allons-y, PFSense, t'es où? Bah, t'es juste dessous. Open. Et donc, on va pouvoir comparer les interfaces. Vraiment, chacune. Home, voilà. Là, j'ai le dashboard. Là aussi, j'ai le dashboard. Donc, on voit vraiment quand même qu'il y en a un. Il y en a un, c'est vraiment limite un coup de peinture sur l'autre. Hein. À part ça, les interfaces sont. Enfin, l'interface est quand même. Il y a juste un là qui fait vraiment tache entre les autres. Alors. Juste les couleurs qui changent. Ouais, Xavier, je suis assez d'accord. Clairement, qui nous dit hardware address, ouais, totalement. Voilà, et là, toi, tu es en 1.1. Donc, normalement, on a juste à te désactiver le DHCP. Mais non, pas 444. Ah là là. Hop. Avancer. Accepter. Hop. Lui, ça doit être admin, non? Save. Voilà. Alors, et là par contre, effectivement, bah, il y a un truc un petit peu plus. Alors, service DHCP serveur. Il n'empêche que c'est juste que c'est en haut et que ça a des menus qui descendent. Toc. Et je fais save. Je fais save où? Je me demande si je suis pas allé un peu vite. Ouais, non, non, non. Hop, il faut que je descende là et que je fasse save. Les changements ont été appliqués. Ok. Alors par contre, il faut aller dans Status Dashboard. Donc en fait, le dashboard, il est là. Je comprends que OpenSense et de fait DinFi l'aient mis ailleurs. Parce que très clairement, le dashboard d'aller chercher par là, quelque part, c'est pas ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire un bookmark, hop, folder qu'on va appeler Firewall. Hop, on va faire ça. On va mettre PFSense ici. Hop. Choose Firewall. Hop. Ensuite, OpenSense dans les Firewall. Tac, DinFi. Et IPFire. Voilà. Oui, faut y penser. Ouais, voilà, comme ça on a les bookmarks, on est tranquille.
Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller se connecter sur une autre machine qui est, hop, qui est où? Qui est ici, qui est le FWL test SRV. Alors, view, tu vas me faire un petit scale display, voilà. Ok. Non, je parlais d'aller chercher le dashboard en status, c'est pas immédiat. Non, effectivement, hardware address. C'est pas immédiat, je trouve ça pas très logique. Je comprends le changement côté OpenSense. Ah, mais c'est qu'on a même une interface, dis donc. C'est 122. Ah oui, c'est 122, 122. Donc, je vais retourner ici. On va pas s'embêter la vie. Tac, tac, tac. Voilà. SSH, copy ID. 128.122.122. Yes. Voilà. Ok, on est dessus. Sudo -i. On est dessus. Ok, très bien. Alors, système CTL, status firewall D. Donc forcément, il est actif. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc on va le stopper et on va me faire un disable. Voilà. Ensuite, DNF-Y, on va lui dire d'aller chercher, d'aller installer Hyperf 3. Hop. Ensuite, Hyperf 3, maintenant que je l'ai, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est essayer de le lancer. Alors. Ce que j'aurais aimé voir, c'est. Alors, sur quel port? C'est pas dramatique. Tiens, je vais l'installer aussi ici. Et moins s, ok. Donc je peux faire un hyperf 3 moins s. Et quand il aura fini, lui, je pourrai lancer un hyperf 3 moins c. Et ce qu'on va voir, parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de tester, on va voir si tout simplement. Parce que pour l'instant, on passe via le. Mince. On passe via le IPFire. Et donc, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que le IPFire va tenir le coup? Allons-y. Hyperf 3. Alors, moins c host. Allons-y. Moins c. Oh, bah ça va, ça balance. Alors, est-ce que de l'autre côté. Hop. Alors, est-ce que j'ai moyen d'aller lui dire au fait, vas-y en mode permanent? Hyper froid, je m'en sers pas tous les jours non plus. Et
Tac. Sinon, un hyper 3 public. Alors non, Vinichor, je vais éviter un hyper 3 public. Parce que sinon, ça veut dire que je vais aussi être limité par mon propre débit. Et ça risque de causer des soucis de stream. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas moyen de lui dire vas-y balance. Il n'y avait pas une option pour lui dire va fais-le pendant un certain temps. Intervalle, non. Ah, moins T, voilà. Time en secondes. Donc par défaut, c'est 10 secondes. Bon, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un moins T. Et on va lui mettre... Il y a un moins 1. Non, c'est une connexion cliente et après exit. Donc je pense que je vais plutôt aller faire un moins T. Non, par contre, c'est marrant, on va pouvoir en faire en parallèle. Donc, moins T. Allez, moins T. Et on va lui dire 600. Hop. Ah, un moins T0. Ah, ça se tente, tiens. On va voir s'il est d'accord. Wow. Il a l'air. Cool. Merci, Vinichor. Ah non, Loupixel, pardon. Désolé. Merci, Loupixel. Ok, donc on tabasse à 2,6 Go. La question maintenant, c'est si on retourne voir le IPFire, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit en in, il descend à 7 mégas et en out, il balance de 74. Ok. Est-ce que dans les... Alors attends, c'était où? Status, non? Système. Qu'est-ce qui nous... Pour le moment, il est idle. Après, on teste qu'avec un seul client. Hein. Faut dire ce qu'il y a aussi. Load average. Donc, pour le moment, ça se... Mais par contre... Je me demande si c'est pas parce que... Est-ce que par défaut il serait pas en... Il peut tester du TCP, de l'UDP ou du SCTP. Par défaut on est en TCP. Ok. Par défaut on est en TCP. Donc mine de rien, pour le moment, il envoie. Hein. Alors la question que je me pose sur mon petit Marvin, là, si je fais un htop. Ouais, j'ai pas Glens là-dessus. Non, remarque, c'est pas B-top, non. B-top, ouais. Ça chauffe, hein. Ça chauffe, mais... Mais pour le moment, tous les processeurs sont relativement équilibrés, hein, en fait. Donc, du point de vue de l'hyperviseur, pour le moment, on est encore bien. Il faut dire aussi que je n'ai pas attaché les VM à des cœurs en particulier. Donc, si ça se trouve, le truc arrive à... L'hyperviseur arrive à répartir la charge. Forcément, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Oui, donc le truc sur 4 gigs de RAM, pour le moment, il est vraiment...
Un hyperf 3 moins C IP moins P10 moins B1000M. Oh là ! Attends, qu'est-ce que tu nous proposes, Loupixel ? Je sens que tu nous proposes un truc qui va bien tabasser très fort. On va aller regarder dans la doc qu'est-ce que ça donne. Tu veux faire un moins grand P, à mon avis c'est le truc en parallèle. C'est ça, c'est le truc en parallèle. Et avec un petit B. Ah, j'ai loupé le petit B. Il est où le petit B? Non, il n'est pas là. Hop. Alors ça va être dans les clients spécifiques. Voilà, on a un moins C. Ok. En moins B. Donc on veut utiliser la target de. Ah, tu veux tenter 1000. Ouais, mais t'es à juste 1G en fait. Ah, mais tu veux faire 10 fois 1G. Ok. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête ça, de faire 10 fois 1G. On va le tenter, tiens. Je vais garder ça de côté. On va le tenter. On est ici, hein. 1G, oui c'est ça. On va faire 10 fois 1G. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors, donc on a dit moins grand P 10 et moins B 1000M. Je lui ai dit... Ouais, il manque un 0 là, ouais, effectivement. Voilà. Non, il n'arrive pas à monter au-delà de 2,6 Go, hein, visiblement, c'est... Ok, donc a priori, pour le moment, notre IPFire, lui, il est limité à 2,6, on dirait. Combien faut-il d'ingé pour changer? Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a fait le IPFire, on va passer sur d'autres... Alors, combien faut-il d'ingé pour changer une ampoule? 4. 1 pour tenir l'ampoule. Les autres pour savoir dans quel sens tourner. 1 pour calculer l'action de la force de... Coriolis. Un pour calculer les frottements dans la douille et le dernier pour simuler tout ça sous MATLAB. Oh non, moi je la trouve amusante. Je la trouve amusante. Allons-y. On va passer à DinFi. Si je me rappelle bien. Puisque DinFi est sur le 3. Voilà. Maintenant, allons-y. Système. Non, reporting. Live traffic. Donc là, on a un graphe. Donc, si j'ai changé ma gateway, normalement, je dois avoir ma connexion SSH qui a dû se dropper, non? Ouais, elle a dû se dropper. Voilà, et c'est droppé. Fichtre. Mais, ça, c'est revenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter... à notre serveur. 122.122. On va faire un truc sudo dnf-y install tmux. Bon allez, on le coupe. Voilà. Ensuite, je lance un tmux et on va relancer un hyperf. Hyperf 3 moins S. Voilà. Ah mince. Voilà. Mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Et cette fois-ci, allez, on va le relancer comme ça aussi. Ah tiens, c'est marrant. Là, on est beaucoup plus... Je ne me serais pas trompé. Ah non, je suis bien à 1000. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le DinFi?
Est-ce que par hasard les interfaces seraient limitées en débit? Ou alors est-ce que la... No data available. Oh, dommage. Alors. Qu'est-ce qui nous... Zoom level. Il y a moyen de... Bon, ça a l'air d'être relativement... relativement lissé sur plusieurs... On a un CPU usage ici, éventuellement. Ah, ici, on est à 42 en CPU usage, ok. Et... On n'a pas un petit graphe, Add widget. Je sais pas moi, interface statistics. Non. Trafic graph. Hop. Save to load widget. Ah, bah save. Et on va aller. Il y a moyen de les. Voilà. Donc pour le moment. On est en dessous de 1G. Zut. Hop. Je me trompe à chaque fois. Je pense que c'est le driver. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une limitation au niveau. Je me demande d'ailleurs si on n'avait pas eu le souci déjà sur mon lab avec OpenSense. Où en termes de débit réseau, on était un peu limité. Et je me demande si ça n'avait pas à voir avec, avec le driver réseau justement de des interfaces mince, des interfaces virtuelles de KVM en fait. Donc les interfaces Virtio. J'essaie de jeter un oeil s'il y a des trucs au niveau des interfaces qu'on peut configurer, mais a priori, bon, ça c'est l'assignement et l'assignation, overview, bon. Ah! Je me demande s'il n'y avait pas ces genres de choses-là, pourtant, bah, pourtant c'est disable. Ça c'est disable aussi. Ok. VLAN hardware filtering, ça on fait pas. Donc a priori tous les trucs ouais hardware a priori sont déjà désactivés. Donc pour le moment on va en rester là. J'aurais aimé jeter un œil quand même. En termes de charge, globalement, ouais non ça c'était les flow settings, capture, cache. Ah forcément j'ai peut-être pas tout mis. Ah tiens il s'est remis là. Ah il se réinitialise. Ok. Bon bah on va pas chercher plus loin sur. Ah, putain, on va pas chercher plus loin sur ce sujet-là. Ici, on va juste faire vite fait. On va peut-être changer vite fait de. Cette fois-ci, je me déconnecte. On va changer vite fait d'interface. J'aimerais bien boucler ces petits tests vite fait. Alors, hop, on va passer sur OPN.
Voilà. Si je me reconnecte à nouveau, cette fois c'est bon. On est là. Le navigateur ici. On va faire tout de suite le widget, puisqu'a priori, c'est la même crémerie. Donc, interface statistique, je crois. Hop. C'est les settings. Hop. Ah non, ça c'est les statistiques, c'est pas ça que je voulais. C'était... Il était où? Trafic graph. Voilà. On va tout de suite le mettre là. Voilà. On save. Là, pour l'instant, on n'y a rien du tout. On n'a pas grand-chose. Et donc, je vais relancer... Je vais relancer mon hyperf. Et le hyperf nous fait la même chose, en fait. Hop. Alors. On doit avoir sans doute... Ouais, c'est ça. On vient... En fait, on vient taper la limite du giga. On peut peut-être essayer de chercher un petit peu sur Internet, vite fait. Si je tape FreeBSD Virtio Network, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a de la documentation chez, chez PFSense. Ah, chez FreeBSD aussi. Virtio FreeBSD Wiki. Alors, question. Qu'est-ce qui se passe? Preparing FreeBSD Guest chez... Ouais, ok. Nested Virtualization, c'est pas ça qui nous intéresse. Huge Pages, ok. Secure Boot, c'est pas ça qui nous importe. Oh, attends, est-ce qu'on a le choix? 23.2 tac tac tac, est-ce qu'on l'a sur KVM? Parallels, VMware, VirtualBox, VirtualBox, Beehive, Xen. Non, il n'y a rien pour y a rien pour KVM. Virtio Driver Support. Disable Hardware Checksum Offloading. Ouais, mais ça, c'est déjà fait, en fait. En tout cas, côté, côté OpenSense, hein, je suppose que c'est déjà fait. On va le vérifier, quand même. On va le vérifier, parce qu'on l'a vu sur... on l'a vu sur... on l'avait vu sur... mince. On l'avait vu sur DinFi. Et oui, tout est désactivé par défaut. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est la même chose. Ok. Et donc, on va aller finir avec PFSense. Donc, notre PFSense, il est sur le 1.1. Allez, hop, je débranche ici aussi. Hop. Alors, on apply. Et on va passer... On va passer sur le PFSense. Alors, pour passer sur le PFSense, on va peut-être s'assurer quand même... est-ce qu'on n'aurait pas pareil? Status, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aurait... Ah si, Traffic Graph, ok. Donc là,
on a un truc. Ok, cool. Ah, on a le choix l'un ou l'autre. Ok. Bon, on va... Hop, pardon. On va essayer tout de suite. Je vais relancer. Alors, je m'attends pas à ce qu'il y ait des changements, puisque de toute façon, on est aussi sur une base FreeBSD. On est à un petit peu plus, tiens. On est à un petit peu plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, lui, il nous dit 600 mégas. 1 giga 32. Il nous balance pas beaucoup de choses, là, on dirait. Alors, je vais me mettre sur le LAN. Voilà. LAN in, donc forcément... D'accord, donc il nous envoie un... Il prend un giga de mais... Mais pourtant, je suis bien sur le Hyperf 3. Dans contrôle, tu peux changer pour keep le graph. Oui. Hop. Et ce que je voudrais faire au passage, c'est jeter un œil. Est-ce que... Ah, ça, c'est services, mais ça doit pas être... C'est pas ça qui m'intéresse. Système... J'aurais voulu voir monitoring. Qu'est-ce qu'il a en monitoring? Ah! Parce qu'en termes de charge, il est... Parce qu'en fait, si je comprends bien, là pour le moment on n'est pas vraiment limité par les processeurs ou par la RAM, juste en balançant comme ça un hyperf, on est plus limité par une problématique de... comment dire, j'ai l'impression que c'est plus une question de driver, peut-être de paramètres de driver. Si côté FreeBSD ils sont capables de d'encaisser... avec le driver Virtio un peu plus, mais je crois que on avait fait des tests sur sur OpenSense à l'époque où j'avais le HomeLab as code, non pas le HomeLab as code mais le HomeLab sans code entre guillemets. On avait remarqué qu'on était limité hein, sur OpenSense, alors que si je mettais un Linux, si je mettais juste deux Linux qui se faisaient un Hyperf 3 l'un avec l'autre, il y avait beaucoup plus de patates. Le nombre de connexions simultanées qui peut aller charger le CPU, mais la bande passante, c'est la carte réseau qui limite. Alors, oui, mais justement, en fait, là, pour le moment, en termes de... là, on a des process. Je vais aller me loguer sur le PFSense. Il est où, le PFSense? OpenSense, non. DinFi, là. PFSense, tac. Ce que je veux, c'est... ce que je veux, c'est un shell. 8. Ok, si je fais un top... Si je fais un top, on voit qu'on a une load average à 1,36. Je me déco si je fais 9 pour avoir un PF top. Oui, bah normal. Est-ce qu'il y a un H top par hasard? Non, non. Donc en gros, on est à 1,36 en load average, sachant qu'il y a quand même 4 VCPU. Hein. Ah, j'ai pas les... 6CTL, je crois. C'est ça, kern.smp.cpu, on est à 4. Donc, on est à 4 VCPU
avec une load average à 1,35, on n'est pas... enfin voilà, on doit être à 30% d'utilisation. Ce qui est déjà, mine de rien, une chose. Hein. Mais... on se moquait de... on se moquait de IPFire et de son interface franchement désuète. En attendant, là, sur les 4 machines, à conditions relativement similaires, c'est celui qui nous envoie le plus de patates. Diagnostic System Activity. Alors, Diagnostic System Activity. Hop. Voilà, et il a un top qui tourne. Ok. Idle, CPU2, CPU3, gnagnagna. Ouais. Alors, ce serait marrant, je pense, ce qu'on pourrait envisager de faire parmi les tests qu'on pourrait faire lors du live de la semaine prochaine, par exemple, ce serait que je monte un VIOS. Ce serait que je monte un VIOS, par exemple, et qu'on regarde avec un Linux récent si on a les mêmes perfs. Enfin, un Linux récent. Je dis pas que IPFire est pas récent, hein, parce que si on se reconnecte dessus... Ah, on a un kernel 6.1 quand même. Et de mémoire, c'est un LTS, hein, le 6.1, donc... Donc, il n'y a pas à rougir. Donc, non, mais c'est pas qu'il faut se moquer des vieux trucs, enfin, qu'il faut pas se moquer des vieux trucs. Finalement, IPFire n'est pas un vieux truc. C'est juste que IPFire est visuellement désuet et propose à certains concepts qui sont, je trouve, aussi obsolètes. Le fait d'avoir des interfaces de couleurs, je suis absolument pas convaincu. Bref, voili voilou pour un premier test. Merci beaucoup pour le follow, Inotnum. Merci à toi. Alors, je vais peut-être couper mon hyperf. Hop là. Alors bon, c'était juste un premier test comme ça à l'arrache. Je pense que on essaiera de faire aussi d'autres tests. Pourquoi pas en activant des trucs de genre, je sais pas moi. Je pense notamment à la détection d'intrusion, par exemple. ou pourquoi pas peut-être charger un peu plus en règle, je sais pas. On va voir. N'hésitez pas à me proposer des idées. En allant me rejoindre sur le, par exemple sur le Discord, on va en parler dans un instant. Et ben ce fut instructif, mine de rien. Ce fut instructif. On peut voir que c'est pas parce que le produit est bien gaulé qu'il est le plus performant. En tout cas, dans un environnement virtuel. Je suspecte que si on se mettait à comparer sur le sur un même hardware. On aurait peut-être des résultats un peu moins, un peu moins étonnants. Mais malheureusement, je ne suis pas doté de hardware pour faire les tests. Je vais pas commencer à dire, filez-moi du matos pour que je fasse des tests de débit entre différents firewalls. C'est pas forcément mon métier, c'est pas mon kiff à faire tous les jours non plus. Il n'empêche que ça reste un point assez instructif à voir. Lorsqu'on veut déployer des équipements réseau, c'est de voir un petit peu les performances. Si jamais vous voulez voir la suite de ces tests, c'est très simple, hein. Suffit de revenir jeudi prochain, 20h-22h, sur la même chaîne Twitch. Je vais pas changer de chaîne Twitch comme ça. Donc, on continue en fait ces aventures-là avec les firewalls tous les jeudis en ce moment. Et sinon, eh ben, le dimanche, il y a d'autres sujets. La dernière fois, on avait fait joujou avec différents logiciels dits de fetch,
Vous savez, le truc que je vous ai montré tout à l'heure avec le joli logo Fedora qui dit, au fait, j'ai une Fedora 38 sur telle CPU, telle quantité de RAM. On avait fait joujou avec ça, on avait fini par commencer à regarder du code C, je crois, avec Chavenet, si je me rappelle bien. Je pense que pour les autres dimanches, on verra d'autres sujets. Mais justement, pour les autres sujets, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, ça permet de discuter entre les lives, et pourquoi pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués là. Et vous pouvez voir toute la liste des réseaux sociaux en faisant un point d'exclamation socials qui va vous renvoyer vers anotherhomepage.org qui contient ma présence sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous d'être passé, merci à toi The Vengeur, merci à toi Hardware Address, merci à tous les autres aussi. Donc le prochain live ce sera dimanche à 18h et sinon jeudi prochain à 20h. Avant de se quitter, on va quand même envoyer un raid chez Nidouille, si elle est toujours là. Mais a priori, c'est le cas. On va lui envoyer plein de force, plein de courage et d'amitié. Donc, après le passage sur la page de fin de stream, restez pour le raid vers Nidouille. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous souhaite une bonne deuxième partie de semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche et jeudi prochain. Bye bye !